Marinus la jabara bela jina mulu sokolinda na shu ani kile au ni nyanguma. Pia tarata e, juu kalo kile nani samba flani mukan nani. Anga bi kuna funu bina talke mina. Yishu wa ministre de la défense ga danga, ale ni delegation bele bele kumi mali le akunu. Oluna wi mbuni. Na mbore ameta Senegal. Senegal shi fina ga ya ira waje mana kurala ka fo. Ko olu sigile no ni Senegal ga doni AIC kon nala. Kuna funu wala wala le amenu do manga kuna funu kon. Kuna fon damne la Abdoul Niang bora ga yafaw dil Abdoul Niang akuye kuna fon no la seno me bolalo sero san fe ni ngatina ayira ka fuku musoro bi États-Unis malien no o muso into ko aramata sisugu ko aramata sisugu ka bi M5 ko goromadu ko shogel ko kala mai ga kelenu ga taga ko nsi ate malien ro ko ne ko ka bi ga jamana war mine ga du Abdoul Niang kelenga ni kuma info aramata sisugu ama ku macha ya ama kelege abora ga ira ka fuku Abdoul Niang me kuma mfo ko centala o kelen Abdoul Niang atara ko nunle ayaye ka fuku aramata sisugu ama dele ga ko nsi M5 konnala abora ga ya fadil kale kuma mi foka filla kabe ya fadil aramata sisugu fe au bisimla wa kuna funu hono ni aka lo wara edisi ministre de la défense ga danga mbora mali konenno kunu tene ani delegation bele bele nana ni ale togo Lunesberg duna ba mako yanno kunu tene anaga delegation kun colonel asmi goyta yanyo gonye ge kuluba kuna funu disraw ya ira ka fo ku wanyo gonye ndu bulla militaire ko ni sécurité ko re kan jamana kon Lunesberg yan agana ba mako yanno kunu atagara Niger dumashi temeni ak mi Niger abole Niger anana ba mako hagilla jina tan 2023 décembre kalula Russie ministre de la défense ga danga abora ba mako yanto kuni anaga delegation kilin kunu tene tukuni ak mi ba mako yanno atagale Niger ani general chane nyo gonye ke ko fe ani general tumba fere nyo gonye ke no o luwa ministre de la défense ga danga sabula o luwa ministre de la défense o kuma takamala kuma ba ga tuku mina koroli mo ko be se ka fo na abora malle yanno abena kuna Burkina ga nana na farafi jamana ola abore ga tin ton koroli kuna fon flanam Senegal shifina ga we basuru jumai fay jabi alam sa temeni Senegal jamana kuti mi ba mawyanno aya ida ka fokale ga laini AIC jamana wa sisi de o konnala wa baro ke nyogo fe ko wa fene mi Senegal ga do AIC kono ko okumati ulu fi Senegal folo mi kuma in fole amma be Senegal shifina ga ma wa shifina ga jagulu do be ulu kuna fon di kene siki o kene konnalo ya ida ka fokuga jamana kuti ke kuma mi fokama be o ma wa kuma la sela kuma na ale aya ida ka fo ko basuru jumai fay ga fo go AIC jamana wa sisi de o konnala ko ye ina fo ki yere bugol beri ti gana di bugo bagama ko sabula ko na si jamono si na si da ko nala ku bina uni toro fo election ga go jey mo ga si ay si jamono ko na kusno go ay si jamono te na lafia we ay ira ka fo fene ko basiru jumai fay go ko Senegal ga do ay si la ko hukumati Senegal on fin folo ku go madam nere ko sabula ko lu wala yini uri ko bi ma si da o blen no ku go ay si na le ay si fe no ke ku si da o ma ke folo ko ay si jamana sabe ya ira ka fo ni sira jamana kilima ki sira berema ku go si da o jamono la ku jamana do be toro ay si jamono we toro la sido kon nala ku uma fuy bo ola ku wa ko AIC jamano ya ida ka fukuni sira jamana kirema kibe si bema kul wala ini dundula wa fara AIC jamana nous avons remarqué que président Bassirou Diomaye Faye a entamé une série de visites principalement axées vers les pays de la CEDEAO depuis son accession au pouvoir et dans ces différentes visites nous pouvons retenir dans son discours consiste à vouloir faire revenir dit-il les pays de l'Alliance des États de Sahel dans la CEDEAO. Mais nous aimerions alerter le président Bassirou Diomaye Faye également à ce niveau. Nous aimerions lui dire que ces mêmes chefs d'État actuellement qui sont en train de l'exposer et de lui demander de faire revenir ces pays de l'Alliance des États du Sahel, ce sont ces mêmes chefs d'État qui se sont complotés pour mettre le Mali sous embargo. Ce sont ces mêmes qui se sont complotés pour fermer leurs frontières contre le Niger. Ce sont ces mêmes qui se sont complotés pour sanctionner des populations entières, et même chefs d'État, n'ont aucune crédibilité aux yeux de nos populations. Elles n'ont plus aucune légitimité aux yeux de nos populations. Et aujourd'hui, demander à ces pays-là de revenir à la CEDEAO, c'est leur demander de remettre le bâton à l'ennemi pour qu'ils se fassent taper dessus à nouveau. Parce qu'ils ont subi toutes sortes de pressions, des menaces même d'intervention militaire, rappelons-le. Parce que ces pays-là de la CEDEAO ont voulu faire la guerre au Niger. Donc nous l'invitons à ne point laisser ces chefs d'État exercer une quelconque manipulation à son endroit afin de faire vouloir revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il est clair que la CEDEAO demande à être réformée profondément. Mais sur qui faudrait-il...
Kunafun sabanam Burkina armée wuli ka jobele bele doke Burkina armée ni wuli ka joyenge faraguruma Burkina armée ga kamime janga ni woni faraguruma chaveta kilometri binanna bamagaju okay atagi wiyo kay atagu we mine chama soro ya mino fiti mega bloga bololo soro sanfe wiere wasale wakati mina kubeta ni mine nuni basoro Burkina armée ga sanfe kelege fon la benno sanfe we bolo wakati mina uliye faraguruga akera sabo be ga bamagaji chama bone anina we Burkina armée ga mugomunu atagi uliye wa 12e bataillon d'intervention rapide mogori utarani Omo wakili uyabla kumala ayaira kafo ko alende na janga atagidila bamagachu wani wale yemie ka military filimega blogo bolo sra sanfe ore wala saburugina population mesega blogurugina marabogo la chugyamina aninga burugina be wakili salu sabula wakati mi kele kunyaka ne ngulu sande mi libe wakati gume atagiya ni piga kuye blende ube ku ngulu kele mine chama ku ngulu nga alani fakali diglenu la san dronu to guto indronu yoro yoro ulube fara kuguga uwa ele guru magani ne gasuri uyere gese ne gela uri saka ne gasuta ka fara wa ataki uke. Auni ni, anga jangata ba magachinu ni aida kafokuye mine munu mine. Anga oja ulaje. Anuwe Burkina militari mine kubla kumala ngu kumagamfina na je. Ngafaka do ngafo. ISI arme aida. Ngafaka do ngafo. ISI jamano militaru kele nuga aida kafo. Uba magachikele nte kufuga nori wala. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le Burkina Bé. Je me nomme Sulamas Semike. Je viens de Bobo. Mon numéro matricule 20 0 60 27 217. On a quitté Fada samedi le 1er pour un ravitaillement de Natcha Bonny. De Natcha Bonny. Et on a eu un affrontement avec des terroristes. Et j'ai été capturé par la Zenim. Actuellement, je suis chez eux, je vis bien. Donc, je cesse de l'aide à toute autorité burkinabé, plus précisément à IB, de me tenir à l'aide. À l'aide, là, je suis là, je vis bien, je suis en bonne santé, je mange comme je veux. Et je les remercie beaucoup. On va équiper une fois. Et notre unité, plus précisément, Bidouze. Et ma date. C'est le 1er juin 2024. Kunafon nana, France militaire fait en fait qui veut Ukraine. Ukraine mercenaire ou veut être formationné la ITTUI. Ni un Russe ministre de la Défense pour Magan Sergei Lavrov. Aïni pour ma info à Tokungu. A Kuntara la Guinée, Ani Mamadou Dumia et Nyogonyeke. A Bolenko la Guinée, Atara Kungu. Ani Kongo Jamana Kutige Nyogonyeke. Ni Wakati na Kongo Jamana Kutige Suantino Lunife. Wala Saga Kuma, problème Mendibi Dalasisan, no problème Messegan Noga Chugam. Russe ministre de la Défense, a l'état Kongo Jamana Kutige Feni Kumaina. Kumana Kuenka. Ani Kongo Jamana Kutige Klale Nyogonyela. Ani Kongo ministre de la Défense, Kumana Kunafundi Laufe. O Kenen Kam, Sergei Lavrov a eu Kuma Flafo, Kuma Folo, a eu Ira Kafo, Ko Irisini Ikren Nga Kelen, Ko Francis Befegi Sinwala, Ou au Francis Militaire Femme Ikren Tretuarga, Kalega Strata la Ikren Mercenaire ou Vetra Formationila, Kuni Solo la Kite Tuino, Ou à Kuni Francis Asino Kelena, Ko Unufeneme Kelege, A eu Ira Kafo Fene, Kumi Libita Fanfele, Ko Fos Solution Egani Libiga Sega Jotugumina, Ko Cheno, Ko Demokrasi Kunte Libi Jamanaka, Konga, Ko Kadafiga Ogatila, Ko Libion Kumbaluluno Ganyam, Ko Pe Occidentu Yada Waka Mari, Kadafi Bueno, Wala Libyen mais c'est grâce à quelqu'un qui m'a coupé sur les soins et grâce à nos Libyens c'est grâce à Dieu. Aya ira qu'à Fofene, qu'au conférence il belle na ke Libya kuina. Dani Soso Giso allez bien aller au Kenya. Aoni ne angaja ngata Sergei Lavrov kani kumagano nami. Касается вопрос о французских инструкторах, у меня есть основания полагать на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине работают. En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, concernant les instructeurs français, j'ai l'impression que ces instructeurs sont déjà sur le territoire ukrainien, donc ils opèrent Кем déjà là-bas. Они не значились военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Et quel que soit leur statut, les militaires officiels de l'armée française ou bien les mercenaires, ils représentent une cible légitime pour nos forces armées. В новых условиях подход к восстановлению государственности.
Je pense que le plus important pour la Libye maintenant, c'est de trouver les moyens pour unir les forces politiques et de trouver une approche qui assurera le rétablissement du pays. Именно такой подход, как я понимаю, продвигает Африканский Союз и лично президент Сасун Гесса в качестве председателя комитета высокого уровня по ливийскому регулированию. Et je pense que c'est la position qui a été adoptée par l'Union africaine et par le président Sassou Nguesso personnellement en tant que président du comité du haut niveau sur la Libye. Мы полностью поддерживаем инициативу президента Сасун Гесса о подготовке подлинно общеливийской конференции и будем использовать свои контакты с различными ливийскими силами для того, чтобы сплотить их именно на этой платформе. Et bien sûr, nous soutiendrons l'initiative du président Sassou Nguesso qui vise à organiser une conférence interlibienne, une vraie conférence interlibienne. Et nous utiliserons nos contacts avec les différents acteurs politiques libyens pour que cette conférence puisse avoir lieu. Kunafon duruna bisoko malena immeuble do bina Côte d'Ivoire Abidjan quartier do binino nuto ko rivière Palmiré ni immeuble bina o yorena immeuble R plus 3 redo immeuble biné pharmacie nok majgoro o chunafo dugujgoro ka toto souffle immeuble santé kadam ne 14h la fois 600 pour souvenirino ani pompier mo be ka mo la woni immeuble injgoro ni mi borani ko ina menu do klo nga duna na ta kunafununa ka ke ni Abidjan sokwe Abidjan quartier do bini o to ko port boy o quartier abattoir u mi ayira ka fo gubu abatuarinti nga leni do polsuni bilde zero tara o yoreina kaira ka fogo ubina karti imbe detri o kele shifina ga odimina onu boru ka maka gaba gugu filuma uni polsu karla ni wono wi bilde zero nu bun ko sebe al karimu nu mega teme wi gaba gugu filuma ko lu bete o ko fe tenendo polsuni bilde zero wero tara tuguni an gendarme u tara kalchenchi karti nya mogo ya ira ka fo kuni fe fe mi mabe sabula ku kunya fo de kubina abatuar reti ko gon abatuar chili ga karti be chili boku da maka shiku ta ayorote ulula tubini oni ni anga janga ta Côte d'Ivoire anga ta quartier nyemo wa kumagona mi appris que l'abattoir il aura des travaux d'assainissement à certains endroits de l'abattoir. Les propriétaires de bétail devaient être déplacés et nous sommes rendus à la mairie pour voir si on était concerné. Nous ont dit que globalement on n'est pas concerné et jusqu'aujourd'hui on n'a pas eu de mise en demeure. Au moment où je vous parle là, ils sont arrivés au niveau de l'église et puis ils ont commencé à casser. Ils ont dit pourquoi on n'enlève pas nos matériels. On dit mais on ne savait pas qu'on était concernés. Nous sommes vraiment étonnés de cette opération. Nous ne savons que faire. Nous savons où aller, ramasser tout le matériel, où nous allons partir, à quel endroit. C'est l'église centrale de Port-Boué. C'est ici que toutes les assemblées de Port-Boué sont parties dans la commune. Nous n'avons pas un lieu même pour partir. Alors vraiment, nous en appelons à la bienveillance du président de la République et du premier ministre, ainsi que le ministre gouverneur du district d'Abidjan et le maire de la commune de Port-Boué de penser à nous. Parce que s'ils nous enlèvent là, c'est l'église qui est détruite en même temps. C'est les membres qui sont dispersés et on essaie où aller présentement. Nous sommes complètement abattus, déboussolés présentement. Alors, s'il peut vous faire quelque chose pour arrêter les opérations, parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas du tout touchés. Kuna fon kunjela moyaye mwi mune mugo sebeyaye ye mali mugo korobalo ga kuma gain wakati mina malendo we ka fukanga sigi korolema ale bora ga kuma anga korolenga anga je anga ta ale ga kuma ga nuna meka anga bi kuna funu et ya la place et le rôle de l'homme au sein de la société. Voilà le maya, parce que pour l'homme bamana il y a Dieu magala masa dabali, c'est-à-dire Dieu l'incréé créateur, il est omnipotent. Il est omniscient et il est omnicréant. Il est en toutes choses, il connaît tout et rien ne se fait sans lui. C'est ce Dieu qui a créé le monde. Mais il a créé le monde par le verbe Kouma. Il a créé le monde par la magie du verbe Koun Fayakoun, soit et le néant s'anéantit. Et quand maintenant Dieu, il a utilisé la parole, parce qu'il y a une dégradation de la parole. La parole, elle est d'abord divine, parce que Dieu a créé le monde avec la parole.
Ensuite, la parole est devenue sacrée parce qu'il a utilisé la parole pour s'adresser à l'homme. Ensuite, la parole est devenue humaine parce que les hommes ont utilisé la parole pour parler entre eux. À partir de la parole, maintenant, il a créé trois mondes. Le règne animal, le règne minéral et le règne végétal. C'est les trois règnes que Dieu a créés. Le règne minéral et le règne végétal, ça, ce sont les animaux, ce sont les fleuves, ce sont les montagnes. Ce règne se passe dans le silence. Mais le règne animal, ça, ce sont l'homme et les animaux. Mais il y a une différence fondamentale parce que l'homme dispose de la raison et de la parole, ce que l'animal n'a pas. Mais une fois que l'homme est créé, une fois que Dieu crée l'homme, il vit dans un monde. Ça, c'est la conception du monde Bamana. Et le Bamana dit, le monde compte trois temps. Le monde compte six jours. Le monde compte quatre communautés. Et le monde compte quatre noms sans raison. Le monde compte trois temps. Diawarati et Sabaye, Touma, Fatouma, Aniketouma. Le temps du voir, le temps du dire et le temps du faire. Le temps du voir, quand tu viens au monde, on te regarde si tu es un homme ou bien si tu es une femme. En fonction de ton sexe, le temps du dire, on te donne un enseignement. Par exemple, si tu es un homme, on t'enseigne le tomon, le tomonori, le tcheblini, le tiwara, le komon, le korojuba et le korel. Pour ne citer que cela. Et quand tu es une femme, on t'enseigne ce dont tu as besoin. Le temps du faire, à partir de 42 ans, ce que tu as appris, toi aussi, tu les redonnes à la société. Ça, c'est les trois temps. Mais le monde compte six jours. La vie et la mort, la dépendance et la responsabilité, le bonheur et le malheur. Ni balolé te isalero, ni te morobolo, morobibolo, ni te herela, ibe bonela. Et le monde compte quatre noms sans raison. Dieu gansa et nani. Ma tête est malagansa. Mateba malagansa. Matitunu malagansa wa chekoroba taka kurushu kushufe gansa. On l'expliquera. Et le monde compte quatre communautés. Dieu, Djekoulou et Nanié. La communauté de mariage, la communauté de foi, la communauté de résidence et la communauté d'amitié. Mais aujourd'hui, il y a une cinquième communauté qui est en train de tout détruire. La communauté politique. Maintenant, l'homme Bamana, une fois que maintenant ce monde, toi, c'est toi qui es responsable de ce monde. Et maintenant, tu dois avoir en toi 16 qualités. Où est-ce que Maya? Maya, ça te fait 16 qualités. Car ça est Maya, Mamdo, Masebedo. Mado, Masebedo, Horondo. Mado, Masebedo, Horondo, Wasilamedo. Une fois que tu arrives à avoir toutes ces qualités, tu deviens un ma. Le ma ne se bat jamais. Le ma n'écrit jamais sur les gens. Le ma ne parle jamais d'une personne derrière lui à mal. Quand le ma rend service, il le fait de bon gré. Quand il rend service deuxièmement, il ne le fait pas dans l'intention où le jour où lui aussi aura des problèmes, il viendra te réclamer. Le ma, quand ça fera le suffi aujourd'hui, il ne le dépasse pas. Le Masebaya aussi, ça fait trois qualités. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il fait quelque chose, il le reconnaît et il ne quitte jamais son interlocuteur avant de se mettre d'accord avec lui. Naye mufa abake, naye munke abeto akoro. Wa ani mokote si kumala numa pe. Le Horoya aussi, ça te fait trois qualités. Il ne ment pas. Quand il prend crédit, il le paye. Tout ce qu'il gagne, c'est pour sa famille. Maintenant, Horon, si la Maya, ça c'est quatre qualités. Kaki, Alaïka, Tou, Alaïka, Do, Alaïka, Siran, Alani. Voilà le Maya. Mais ce Maya, dans la culture Bamana, est accompagné de deux grands principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est le principe de la solidarité active. Si j'existe, mon père existe, ma mère existe, mes frères existent, mes soeurs existent. Je dois les aider tous, quoi que cela me coûte matériellement, moralement et financièrement. C'est de cette manière de se percevoir soi-même et de percevoir le monde qu'est née l'idée de solidarité, qui est le premier pas vers le partage. Partage sans lequel il n'y a pas de paix, et la paix qui est le préalable à tout véritable développement. Le deuxième principe, le Bamana dit, il y a trois parties dans ton corps qui n'ont pas d'os.
ils ne doivent jamais manger l'illicite. C'est ta langue, ton estomac et ton sexe. Et une fois que tu arrives à intérioriser en toi toutes ces valeurs, une fois que tu arrives à transformer ces valeurs-là en connaissances vivifiantes, en connaissances transformatrices, là tu deviens un véritable humain. Comme dans la société Pell. Parce que dans la société Pell, et ils disent, il y a trois catégories d'hommes. Nous avons les Amandof, nous avons les Amadi, et nous avons les Amadi. Les Amandof, ce sont des gens qui ne sont utiles à personne. On les appelle les charges sans avantage. Quand ils sont présents, ils ne servent à rien. Quand ils s'en vont, personne ne se rend compte de leur absence. Les Amadi, ce sont des gens qui sont utiles à leur famille, à leur pays, mais leur utilité s'arrête là. Et les Amadi, ce sont des gens qui sont utiles au monde. Quand ils disparaissent, l'humanité pleure. En fonction de cela, chacun peut savoir s'il est aimant ou bien s'il n'est pas aimant. S'il est aimant, c'est bien, aimant, c'est bien, auront, et ainsi la même. Comme mon aîné l'a dit, la parole c'est comme une louche. Une seule personne ne doit pas la maintenir trop longtemps. Mais ce concept de Maya, ça existe au Mali. Et le Mali se trouve dans l'Afrique. Et permettez que je termine mon intervention par un poème que je dédie à l'Afrique. Cette Afrique que nous aimons tous. Afrique, lève-toi. Lève-toi par toi-même et dis-leur d'arrêter. D'arrêter de te voler. D'arrêter de te piller. D'arrêter de mettre dans ta bouche leur souffle. Afrique, pourquoi ton sang n'est plus vermeil? Il n'y brille plus. Il est devenu incolore, inodore et sans saveur. Afrique, n'entends-tu pas le bruit de leurs machines en train de creuser tes flancs pour extraire tes richesses? Pourquoi es-tu devenu un continent ni indépendant, ni même dépendant, mais un continent pendant comme un enfant sur le dos de sa mère et qui est en train de téter à la mamelle des autres? Afrique, pourquoi es-tu devenu comme un panne blanc de mort vivant sur lequel ceux qui hier ont écrit ton histoire essaient aujourd'hui de créer ton présent pour demain inventer ton futur? Afrique, pourquoi es-tu victime du passé? Pourquoi es-tu nostalgique du passé? Serais-tu un accessoire de l'avenir? Afrique, il n'y a plus de Fama, il n'y a plus de Tunka, il n'y a plus de Massa, il n'y a plus de Pharaon, il n'y a plus d'Anazinga, il n'y a plus d'Ablapoukou. Je ne vois que tes enfants dans la forêt, dans la savane, dans le désert. Ils ont tout vendu, ta peau, ta chair, sans honneur et sans dignité. Il ne reste que tes carcasses. J'ai rêvé d'une Afrique. J'ai rêvé d'une Afrique qui a la couleur de l'aube. J'ai rêvé d'une Afrique où les ténèbres sont lumière. J'ai rêvé d'une Afrique où les ombres sont clarté. J'ai rêvé d'une Afrique où les enfants sont nourris au lait et bercés par les contes. J'ai rêvé d'une Afrique où les femmes fertilisent la terre et sèment la vie. J'ai rêvé d'une Afrique où les vieillards le soir égrènent leurs souvenirs au coin du feu. J'ai rêvé d'une Afrique où les hommes sont maîtres de leur temps et de leur destin. J'ai rêvé d'une Afrique, théophanie d'humanité, terre arc-en-ciel, construite par la raison, éclairée par la foi et nourrie par sa culture. Je vous remercie. Ni neuy nga bi kuna fone ka da aw kluba aw ni ci awala jël wuñu mana nga fuli ban la jaba bela jini kere ngene neena munu mi nga na jega bo franci aw ka me wati wéré bo nga munu mi fega demé do mari newsma wal ma ko wapi publicité ngi mari news ka chen sambe avé ci ga ngoli ni murina bi wono toni kili wani kili binani bishegi aninani.